Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des passeurs. Aujourd'hui, on visite un cimetière de voitures où il y a principalement des véhicules militaires. On va essayer d'être très discret parce qu'apparemment, il y a deux gardiens qui passent régulièrement. Donc aujourd'hui, je suis avec Laurent, Christophe et Jérôme, que vous avez vu dans la vidéo des éléphants. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien en haut à droite. Le petit camion de pompiers, sympa. Essayez de monter pour voir dedans. Cool. On a pas mal qui sont ouverts. Yes. Oh, ça gère. Il y a du monde dans ce camion. Ah, c'est sympa ça. Bonne route, Christophe. Merci. Bon voyage. Ouais, c'est pas mal. Alors, attention de pas trop rester dans l'allée. Je vais aller voir les véhicules militaires là. Je pourrais pas trop y accéder. Les véhicules militaires se trouvant sur ce terrain appartiennent à l'armée belge. Devenus obsolètes à la fin de la guerre froide en 1991, certains sont revendus à des armées, d'autres sont abandonnés ici. On peut citer notamment des Renault TRM 2000, camions russes Ural ou Maz, porte-chars et toutes sortes de blindés. Je vais aller voir ce qu'on peut trouver au fond. Mais ce qui est vraiment cool ici, je trouve, c'est le camion de pompiers. Ça va parce qu'on est un petit peu caché par le camion à l'entrée. Ah, ça continue derrière! C'est plein de... Ouais. Aïe. Bon, il y a un gars à côté, mais je crois qu'il s'en fout. Il ne regarde même pas. Je fais des vidéos de toi, ça te dérange pas? Waouh, tout le monde va voir ça, c'était là, fantastique. On aurait même pas pu avoir une chute là pour vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle va être assez courte et on est obligé de faire vite à cause des deux gardiens qui peuvent arriver à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu. Nous, on est parti toute la journée en urbex, on va faire un petit marathon d'urbex. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir les unes à la suite des autres, ça c'est plutôt cool. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.